Avez-vous? Alors, avez-vous regardé? Regardez. Avez-vous regardé? Avez-vous regardé? Vous avez regardé. Vous avez regardé. Vous avez bien regardé? Vous avez bien regardé. Problème. Bien. Ouais. Vous avez longuement regardé. C'est un adverbe. Donc c'est là, ça? Ok, vas-y, essaye. Alors, vous avez longuement regardé. Vous avez bien regardé. Vous avez bien regardé. Vous avez mal regardé. Vous avez mal regardé. Avez-vous bien regardé le panneau? Avez-vous bien regardé le panneau? Avez-vous vraiment regardé le panneau? Avez-vous vraiment regardé le panneau? Avez-vous déjà bien regardé le panneau? Avez-vous déjà bien regardé le panneau? Elle a bien regardé le panneau. Elle a bien regardé le panneau. J'ai bien regardé le panneau. J'ai bien regardé le panneau. J'ai bien regardé le panneau. Je l'ai bien regardé. Et donc, je... Alors là, l'ai bien regardé. Problème. L'ai... Je... J'ai regardé quoi? Le panneau. Ouais. Donc, tu... Donc, je l'ai... Donc, ce serait je l'ai... Bien regardé. Ok. J'ai regardé la fille, je l'ai bien regardé. Je l'ai bien regardé. Je l'ai bien regardé. J'ai lu des livres. J'ai lu des livres. Problème. Ah, j'ai lu des livres. Je les ai lus. Je l'ai. Recommence. Je l'ai. Problème. J'ai lu les livres, je les ai lus. Donc c'est là. C'est plutôt une histoire d'orthographe, je pense. Alors je. Ouais. Je les ai lus. Alors là, je pense que l'orthographe s'est rectifié, mais que tu as un problème de catégorie. Les. Ça? Ouais. Ça remplace quoi, les? Donc là, ce serait là. Les. Ça? Alors attends. Ça remplace les panneaux. Je les ai lus, j'ai lu les livres. Pas les livres. Les livres, ok. Comment tu pointes les livres? Donc ça serait les livres. Ouais, et. Le deuxième les que tu utilises, je les ai lus. Est-ce que c'est jaune et vert? Ah, c'est ça. Ça existe, jaune et vert? Non. Ok, c'est ça. Donc c'est autre chose. C'est ça. Est-ce que ça a à voir avec sur, dans, sous? Donc non, ça n'a rien à voir avec ça, non. Non. Alors, on va faire un autre exemple. J'ai mangé une crêpe. J'ai mangé une crêpe. Je l'ai mangé. Je l'ai mangé, ça. Ok, comment tu écris le deuxième mot? L'ai. Ça, ça, c'est le deuxième et le troisième mot. Donc, L-I, apostrophe, L-apostrophe. L-apostrophe, ok, je l'ai mangé. Ouais. Ok, maintenant, j'ai mangé des crêpes. J'ai mangé des crêpes. Je les ai mangées. Je les... Normalement, je ferai. Continue, continue. Je les ai mangés. Ok. Est-ce qu'il y a un doute? Oui. Pour le lait, là. Ok. C'est ça. C'est la ça. Phrase d'avant, tu as fait L' apostrophe et tu l'as pointé, tu étais sûre. Oui. Donc. Ce là. Parce que c'est L' apostrophe, c'est pareil que lait. C'est pareil que lait, non? C'est pareil que la crêpe dont on parlait. Oui. Et là, on parle de plusieurs. Donc, ça s'écrit comment? Je les ai mangés, les. L-E-S. Ok, ensuite le troisième mot c'est quoi? Je les ai.
alimenté. J'ai mangé les crêpes. Comment tu écris j'ai? J apostrophe alis. Plus A-I. Simple. Ouais, j'ai comme ouais. J'ai un frère. Ah oui. Ouais. Donc j'ai mangé j apostrophe ai et là tu fais juste un changement de position, c'est-à-dire que tu mets je les ai mangés et ton verbe restant s'écrit comment? Je les ai et je les ouais. Ai mangés. Ouais, comment tu écris et mangé? Je les ai mangés. A-I. Ok. Plus loin. Quoi? Et, plus, et le deuxième? Ah, manger. M-A-N. G. Oui. E-R. Non. Non, non, non. Désolée. Et. Ouais. Donc, c'est-à-dire E accent. S. E accent, comment? J'ai mangé quoi? Les E accent aigu. Et ensuite? Et après S. Ok, il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'on a mangé? Les crêpes. Ah, c'est des féminines. Et ES. Ok, merci.